De Pierre-Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Comment jugez-vous le remaniement de ce nouveau gouvernement Valls ? Je pense qu'on est à milieu de ce qu'attend le pays. Le pays, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend un changement de politique sur les grandes questions sociales, sur le chômage et sur le reste. Là, on maintient exactement le même cap. Il n'y a aucun signal qui est envoyé de la moindre inflexion sur les grandes urgences sociales du pays. J'entends même pas l'arrivée dire, des Verts. Du rassemblement, c'est plutôt un gouvernement de resserrement. On a l'impression d'avoir oublié que Christiane Taubira a quitté le gouvernement il y a quelques jours. Il y a 117 députés de gauche qui ont voté contre la déchéance de nationalité, contre la révision constitutionnelle hier. Et qu'est-ce qu'il y a comme signal dans ce gouvernement qui nous permet de penser que le cap va changer ? Aucun. Donc je pense l'entrée que ce remaniement, du point de vue du cap, c'est-à-dire de ce qui intéresse les Français, ça ne change rien. L'arrivée des Verts, ce n'est pas une bonne nouvelle ? Il y a des écologistes. Bon, ça n'est pas le parti des écologistes, puisque les trois ministres qui y vont contre l'avis de ce parti. Deux l'avaient déjà quitté. Et manifestement, Emmanuel Kos fait un choix qui est un choix personnel, mais qui n'est pas celui de son parti. Donc on ne peut pas dire qu'avec ça, les écologistes reviennent au gouvernement. Un mot de l'arrivée de Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay. On va découvrir son portrait dans un instant. C'est un homme d'expérience pour un poste évidemment stratégique. Oui, c'est un homme d'expérience. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on verra, on jugera après sur pièce. Mes critiques n'ont jamais porté, même à l'époque de Laurent Fabius, sur l'homme. Elles portent sur le cap politique de la politique internationale française et sa faiblesse en Europe. Parce que l'Europe est aussi un sujet sur lequel on attend des initiatives politiques fortes de la France pour réorienter l'Union européenne vers le social. Et on verra si c'est au rendez-vous, mais je crains que ça ne le soit pas. À votre connaissance, aucun communiste n'a été contacté pour entrer dans ce gouvernement, en un mot ? Non, aucun communiste n'a été contacté. Et je ne pense pas que des communistes souhaitaient rentrer pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul cap. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au-devant des urgences sociales du pays ? S'il n'y a aucun changement là-dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans ce gouvernement ? Vous restez avec nous, on va parler dans un côté le gouvernement François Hollande qui tente de rassembler une partie de la gauche. Et puis il y a de son côté Jean-Luc Mélenchon qui fait cavalier seul. Il a annoncé hier sur le plateau d'une télévision qu'il était candidat. Comment est-ce que vous jugez ces deux mouvements politiques ? Non, mais je crois que c'est une vision justement très partielle du paysage, parce que ce qui me paraît, moi, l'essentiel, c'est qu'il y a de plus en plus de forces à gauche, vraiment à gauche, qui ont envie justement d'un autre choix et qui ont envie de le construire ensemble. Quand vous avez des personnalités, des économistes comme Thomas Piketty, des acteurs comme Philippe Torreton, des communistes comme Pierre Laurent ou d'autres, des écologistes comme Yannick Jadot, des féministes comme Caroline de Haas, qui se réunissent ensemble, qui disent des socialistes comme Christian Paul, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui disent on veut justement un autre processus. On le veut ensemble. On est capable de se mettre d'accord sur une plateforme, de désigner un candidat. Moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon, sa place, il est avec nous dans ce processus collectif. Pourquoi est-ce qu'il dynamite alors ce processus avant même qu'il soit enclenché, Jean-Luc Mélenchon ? Ça, on verra. Écoutez, on est très, très loin de l'élection présidentielle. En tout cas, je pense que la très grande majorité des gens de gauche n'en sont pas au casting. Ils veulent que se construise cette dynamique collective et... C'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Mais et vous, si mais ça pas se lui. Met en place, vous, et c'est possible, lui. Et c'est possible. Vous étiez au courant ? D'ici l'été ? Non, mais vous avez prévenu. Il a dit, c'est pas un secret, il a dit à la télévision hier, j'ai décidé seul de partir. Moi, est-ce que vous croyez que dans la situation dans laquelle se trouve la gauche, le pays, quelqu'un seul va réussir à redresser les choses ? Donc moi, je plaide pour un processus collectif, je suis engagé dans sa construction. Donc vous lui tendez la main, vous lui dites reviens dans notre région ? Oui, absolument, je suis engagé dans ce processus, rien ne me fera... ne me détournera de cette route-là. Et je pense que c'est possible et que cette dynamique, elle est en train de se lever et qu'elle va aller au-devant d'une attente très, très forte parce que ça n'est pas le changement de gouvernement qui va changer l'opinion de la majorité des gens de gauche par rapport à ce que fait François Hollande, qui ne convient pas. Et tout le monde a conscience qu'il faut s'unir et non pas partir seul chacun de notre côté. Donc je pense que cette dynamique-là va finir par l'emporter et que d'ici l'été, vous verrez, nous aurons un cadre commun, nous aurons une plateforme ou un mandat commun et nous allons prendre, nous en tout cas les communistes, des initiatives pour organiser l'implication populaire dans un tel processus. Michaël Darmon, la dynamique à gauche, elle existe aujourd'hui ?
En tout cas, on voit bien qu'il y a un souci de rechercher le casting, comme vous disiez, puisque vous êtes vous-même également engagé dans le processus des primaires. Donc, il est temps, effectivement, de penser à la personnalité qui va pouvoir porter les différentes couleurs à l'élection de, présidentielle. Ce qui était effectivement étonnant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il s'inscrit dans une logique collective, mais il le fait de manière personnelle. Il est dans l'antisystème et il va sur une grande chaîne de télévision donc, pour qui représente un petit peu quand même l'institution pour pouvoir... Donc dire je suis contre le système. On comprend bien que là il va falloir aussi que du côté donc du front de gauche et à gauche on règle le problème et la question donc de Jean-Luc Mélenchon. On comprendra également que du côté du Parti socialiste on essaye pour l'instant d'intégrer, de digérer, peut-être pour mieux étouffer ce processus, parce que pour François Hollande à l'heure actuelle il n'est pas question donc de d'être confronté à des primaires. Vous êtes prêt quand même à entendre que un très grand nombre, de plus en plus divers. J'entends tout. Oui, non, mais de plus en plus divers de gens à gauche, contrairement à ce qu'on nous répète tous les jours, que ça commence par le casting, disent non, ça ne commence pas par le casting. C'est le problème. Ça commence par un projet, ça commence par un cadre collectif, on va pouvoir décider ensemble. Il n'y a pas de candidat naturel à gauche et il n'y a pas d'aventure solitaire possible. Eh bien, la très grande majorité des gens de gauche, c'est cela dont ils ont envie. Alors évidemment, si personne n'essaye de concrétiser ça, on va se laisser enfermer dans la manière dont on veut organiser les choses.